Merci beaucoup pour cet accueil. Avec Marie-Hélène Grard, on est très heureux de passer cette soirée avec vous. On va commencer par exposer un certain nombre de points et puis on va se laisser du temps, mais on nous fera signe pour qu'on ait suffisamment d'espace pour dialoguer. Donc tout d'abord, un mot sur ce rapport, Grande pauvreté et réussite scolaire. Pourquoi est-ce qu'il a été demandé? En fait, il a été demandé au moins pour deux raisons. D'abord parce que c'est un sujet en soi, la grande pauvreté, dans la sixième puissance économique mondiale. C'est un sujet en soi, les difficultés rencontrées par un certain nombre de jeunes, enfants, adolescents, qui ne peuvent pas entrer sereinement dans les apprentissages à cause de ces difficultés sociales. Et puis deuxièmement, en tout cas c'est comme ça que j'ai conçu le rapport, c'était une façon d'utiliser une sorte de miroir, hein, de loupe plus exactement, permettant de voir ce qu'est notre système éducatif aujourd'hui, une sorte de miroir grossissant, qu'est-ce que c'est que notre système éducatif aujourd'hui, comment il fonctionne, et donc avec évidemment les difficultés qu'il rencontre pour faire réussir tous les élèves. Réussir, alors juste un mot pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, réussite scolaire, qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport, comme dans l'avis d'ailleurs du Conseil économique, social et environnemental, c'est le fait de tout faire pour que, à l'issue de la scolarité obligatoire, tous les jeunes de ce pays acquièrent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est ça que nous appelons la réussite scolaire. Ensuite, si on a ce socle, eh bien, on peut fonder des scolarités, des formations ultérieures d'égale dignité, qu'elles soient générales, technologiques, professionnelles. Et c'est bien parce que nous ne pouvons pas aujourd'hui assurer à tous les jeunes de ce pays ce socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qu'il y a à certains moments de la scolarité soit des décrochages, soit des orientations par défaut qui ne sont pas voulues mais qui sont plutôt subies. Alors, on va beaucoup parler des difficultés du système éducatif, mais pour qu'on soit tout de même sur des bases les plus scientifiques que possible, les plus objectifs possibles, il est quand même bon de regarder ce que c'est que notre système éducatif aujourd'hui et d'où il vient. Vous avez deux courbes, une courbe rouge, c'est le pourcentage des jeunes de 18 à 24 ans qui n'ont aucun diplôme et qui ne sont pas en formation. Et le graphique va de 1978, hein, sur la gauche jusqu'à 2014 sur la droite. Donc on ne peut pas dire que le système éducatif n'a rien fait. Il a répondu, et de manière, je crois, très, très forte, aux besoins de la nation. Ces 10% des jeunes de 18 à 24 ans qui sont encore aujourd'hui sans diplôme et ils ne sont pas en formation, c'est évidemment une catastrophe, c'est beaucoup trop. Mais il s'agit de ne pas oublier d'où nous venons. La courbe verte, c'est le pourcentage des jeunes de ce pays qui sont dans une génération bachelier. Et vous avez 1978, hein, 25% de bacheliers, et nous sommes aujourd'hui à pratiquement 80% de bacheliers. Donc là encore, on ne peut pas dire que le système éducatif n'a rien fait. En raison de mon grand âge, moi je suis en dehors de ce graphique, puisque j'ai passé mon baccalauréat en 1970, et en 1970, nous étions 15 à 16% d'une génération à atteindre le baccalauréat. Essentiellement des jeunes de milieux favorisés, de classe moyenne, et puis quelques boursiers dont j'étais, qui permettent d'ailleurs toujours à la République de donner un air de justice à l'inégalité. Je reprends là les propos du philosophe Alain dans un de ses célèbres articles dans les années 20. Donc, augmentation du nombre de bacheliers, c'est un critère comme un autre pour voir ce que fait un système éducatif. Et là, je prends des tableaux qui sont élaborés par la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance au ministère, à notre direction d'évaluation qui a fait ces différents tableaux et qui montre bien. Déjà, une première chose, c'est que si nous avons augmenté notre taux de bacheliers, ce n'est pas grâce au baccalauréat général, qui, vous le voyez, depuis le début des années 90, plafonne. Nous avons un baccalauréat technologique qui a eu une montée en puissance dans les années 70-80 et qui plafonne lui aussi, qui a même tendance à diminuer. Et on a un baccalauréat qui explose à partir du milieu des années 80, c'est le baccalauréat professionnel.
Si on regarde l'ensemble des jeunes qui sont sortis en 2011, 2012, 2013, hein, sur 3 ans, c'est toujours des chiffres de l'ADEPE, 44% ont un diplôme d'enseignement supérieur, 28% ont le baccalauréat ou équivalent, 13% ont un diplôme de niveau 5, et 15% n'ont aucun diplôme. Donc là, ces 15%, c'est les 140 000 dont on parle, hein, qui sortent chaque année sans qualification. Attesté, 15%. Parmi les élèves qui sont entrés en 6e en 1995, quand on regarde une classe d'âge, 38% de cette classe d'âge étaient des enfants d'ouvriers ou d'inactifs. Et statistiquement, parce que c'est comme ça dans la société, ils sont 2 fois plus nombreux que les enfants de cadres supérieurs et d'enseignants qui représentent 16%. Ça, c'est la photo d'une classe d'âge en 1995. 15 ans plus tard, ces mêmes fils d'ouvriers inactifs ne sont plus que 14% parmi les diplômés Bac plus 5. C'est-à-dire, ils sont 3 fois moins que les enfants de cadre. Et les mêmes, 15 ans plus tard, 25% n'ont aucun diplôme, 8 fois plus nombreux que les enfants de cadre, qui, eux, ne sont qu'à 3% sans diplôme. Donc on commence là à avoir un petit sujet, hein, sur le système éducatif français. Ça veut dire que notre élitisme n'est pas républicain, il est surtout social. Il faut oser se le dire, ça. Vous avez aujourd'hui 90% des enfants d'enseignants qui sont entrés en 6e en 95 et ils ont obtenu un baccalauréat 7 ans après. C'est le cas pour 40% seulement des enfants d'ouvriers. Parmi les enfants d'ouvriers, on revient au bac tout à l'heure, là, les 3 baccalauréats, en 2012, 31% l'ont eu dans une filière générale, 23% dans une filière technologique et 46% dans une filière professionnelle. Chez les enfants de cadre supérieur, les 3 quarts ont un bac général, 14% technologique et 10% professionnel. On a un tout petit peu de mal dans notre pays à revaloriser ou valoriser l'enseignement professionnel quand il est socialement aussi marqué. Vous ne trouvez pas? Et puis quand on regarde les élèves de SECPA, aujourd'hui, 84% de ces élèves sont des élèves issus de familles de CSP défavorisées. Là, il y a quand même un vrai scandale. C'est un scandale. Et on a relevé avec Marie Aguirard que dans les dossiers d'orientation, mais tu le diras peut-être tout à l'heure, pour les élèves de SECPA, en principe, on est orienté en SECPA quand on a des résultats scolaires qui ne sont pas bons et quand le système éducatif ordinaire ne permet pas de les récupérer, ces résultats. Et donc, il y a, les SECPA font un travail absolument formidable. Mais dans le dossier, il n'y a pas que des résultats scolaires. Il y a une enquête sociale. Est-ce qu'on fait une enquête sociale pour l'orientation en section européenne ou en classe bilingue? Je vous laisse méditer cette question. Quand on regarde PISA, nos élèves, nos jeunes de 15 ans, vous avez là tous les pays qui se répartissent, hein, sur la partie horizontale, c'est de 400 points à 580 points. Donc plus on va vers la droite, plus on a des scores performants. Et donc vous avez la Corée et le Japon qui sont au-dessus de cela. Vous avez un bloc au milieu de bleu foncé, où se trouve la France. Ce sont des pays qui, en gros, ont des résultats qui sont à peu près semblables aux nôtres. Et puis vous avez sur la partie gauche, Mexique, Chili, qui ont des résultats qui sont très très en dessous par rapport aux pays de l'OCDE. Mais ce n'est pas pour ça que je vous montre ce graphique, lui aussi élaboré par l'ADEPE. Regardons où se trouvent nos jeunes de 15 ans en France. On a 50% des jeunes de 15 ans qui sont à l'heure ou en avance dans le système éducatif, ils sont en seconde. Regardez où ils se situent, ces élèves-là. En matière de résultats, ils sont au niveau des Suisses, des Japonais, des Coréens. Nous avons le meilleur système éducatif du monde, mais pour 50% de nos élèves, ceux qui sont en seconde générale. L'enquête PISA, je vois des. L'enquête PISA, ce n'est pas une enquête sur les élèves de seconde ou les élèves de troisième. C'est, on prend, parce que les systèmes éducatifs sont différents, hein, d'un pays à l'autre. Donc on dit, on prend les jeunes de 15 ans, où qu'ils se trouvent dans le système éducatif d'un pays, et à cela, on leur fait faire des tests en français, en mathématiques, en sciences, ça dépend des années, c'est tous les 3 ans. Et donc, nos élèves,
Ceux qui sont à l'heure, ils sont en seconde, ils sont 52%. Mais il y en a qui sont en retard, ils ont au moins redoublé une fois cela, et ceux-là sont en troisième, voire en quatrième. Et on regarde leurs résultats à cela. Ils ont des résultats semblables aux résultats des petits Mexicains ou des petits Chiliens. Nous sommes le pays du grand écart en matière de résultats scolaires. Et ça ne s'arrange pas. L'intérêt de PISA, c'est qu'on a 2003, 2006, 2009, 2012, on a donc un recul sur plusieurs années. Se comparer aux autres n'est strictement pas intéressant. Là, maintenant, on peut se comparer à nous-mêmes. Et on regarde donc en bleu foncé, c'est PISA 2012, et en bleu clair, c'est PISA 2003. Plus vous allez vers la droite, niveau 6, meilleurs sont les résultats, et le niveau 1 ou sous le niveau 1, ce sont des élèves des jeunes en très très grande difficulté. Et on voit que de 2003 à 2012, les choses se sont aggravées pour les élèves en difficulté. On voit, petit signe inquiétant, que notre élite ne va pas très bien, qu'elle a tendance à stagner, voire à régresser un tout petit peu, avec donc moins d'élèves performants en 2012 qu'en 2003 pour le niveau 5 et le niveau 6. J'en termine avec quelques graphiques, mais c'était pour qu'on pose bien le paysage d'ensemble. Vous avez là, ventilé sur ce graphique, l'ensemble des pays qui participent à l'évaluation PISA. Vous avez la France en rouge. Plus vous allez vers le haut, donc c'est l'axe vertical, et meilleurs sont les résultats. Donc on voit que la France est un petit peu au-dessus de l'OCDE. La moyenne de l'OCDE est évidemment au croisement des deux courbes. Et l'autre axe, l'axe horizontal, c'est l'axe d'équité. Est-ce que le système permet à tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, de réussir convenablement? Et on voit que la France n'est pas en tête de peloton, là, en matière d'équité. C'est-à-dire que nous ne savons pas, on est en 2003, faire réussir, comme les autres pays, nos élèves qui sont de milieux sociaux défavorisés. Donc on est un système qui n'a pas une très grande équité en 2003. Je vais maintenant vous montrer le graphique 2012. Donc vous allez voir un choc, hein, les âmes sensibles sont priées de se cacher les yeux. Voilà 2012. Nos résultats ont un tout petit peu baissé, on s'est rapproché de la moyenne de l'OCDE, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est que nous sommes devenus le pays de l'OCDE le plus injuste. Le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur le destin scolaire des enfants. C'est ça la vérité aussi de notre pays. Et nous n'avons pas encore eu dans notre pays un PISA choc. C'est-à-dire qu'en 2003, il y a des pays qui se sont dit ça ne va pas et qui ont essayé de redresser la situation. Avec la loi de refondation, hein, de 2012-2013, c'est exactement ce PISA choc que nous essayons de mettre en place. Le grand écart territorial aussi. Là, vous avez les résultats des jeunes à la journée Défense et Citoyenneté. Les résultats en lecture. Plus c'est foncé, plus c'est mauvais. Et on voit qu'il y a de grands écarts aussi sur le territoire. Au total, donc, pourquoi est-ce que je fais ce rappel? C'est pour dire que notre système est plus inégalitaire aujourd'hui qu'il ne l'était en 2003, que nous sommes le pays dans lequel l'origine sociale pèse le plus sur le destin scolaire. Et qu'on a des inégalités territoriales qui n'arrangent pas la situation. Et donc, à partir de là, un certain nombre de questions doivent se poser. Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans notre pays? Pourquoi on a beaucoup de difficultés à bâtir un système éducatif inclusif? Le mot inclusif, nous l'avons mis dans la loi de juillet 2013 de refondation. Pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à vraiment organiser une scolarité en cycle? Parce qu'on sait que la scolarité en cycle, c'est ce qui permet précisément de prendre en compte les rythmes différents d'apprentissage. On a beaucoup de difficultés depuis la loi de 1989, quand même. C'est dans la loi Jospin 89, les cycles. Pourquoi est-ce que nos décisions d'orientation sont aussi liées aux origines sociales? Si vous avez lu mon rapport, vous avez vu que grâce à un inspecteur de la formation d'orientation de la Somme, qui confirme un certain nombre de choses. Mais là, on a des monographies qui montrent que, à résultats identiques, c'est-à-dire 10 de moyenne au brevet, selon que vous êtes d'origine sociale favorisée ou défavorisée, vous n'avez pas les mêmes propositions d'orientation des conseils de classe. C'est ça aussi, hein, notre pays.
Bref, pourquoi est-ce que sur ce sujet-là, alors qu'on a vu que notre système avait quand même progressé, hein, la massification s'était produite, mais en fait, la massification, la démocratisation dans notre pays est parfaitement compatible avec la persistance d'inégalités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lien automatique, hein, entre démocratisation et lutte contre les inégalités. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est en fait pour qu'on se pose collectivement la question, pourquoi refonder l'école? On l'a mis dans la loi. Il n'y a pas 36 objectifs, c'est bien corriger les inégalités au sein du système éducatif. Et du coup, il y a une deuxième question, pour qui refonder l'école? Et là aussi, il n'y a pas 50 réponses. Bien entendu, pour tous les élèves. Et il n'est pas question de baisser le niveau des meilleurs. Mais si on refonde l'école, c'est bien pour faire réussir les enfants de pauvres, qui aujourd'hui, dans d'autres pays, sont en difficulté. Et donc, dans cette logique-là, tout ce que nous avons à faire dans le système éducatif, toutes les questions qu'on a à se poser, quel que soit l'endroit où on se trouve dans le système éducatif, ou partenaire de l'école, et je sais que dans la salle, il y a des élus, il y a des militants associatifs, chaque fois, on doit se poser cette question dans notre pays. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que cette mesure prise va être de nature à réduire les inégalités? Si oui, on y va. Sinon, on se dit que c'est peut-être pas la priorité. Il n'y a pas de plus grande urgence aujourd'hui dans notre pays. Et donc, trois points d'attention avaient été fixés à ma mission. Donc, un devoir de connaissance et de meilleure prise en compte de la précarité de vie des familles en grande difficulté, parce que c'est une grande inconnue. Vous avez remarqué qu'on parle moins des enfants pauvres que d'autres enfants qui ont des soucis aussi parfaitement légitimes de choisir une option ou de choisir telle ou telle formation. C'est très important, c'est légitime encore une fois, mais on en parle un peu plus de cela que des enfants de pauvres en grande difficulté. Je vais revenir dans un instant. Deuxième axe, les relations entre les familles et l'école. Et puis, bien entendu, les moyens pédagogiques pour essayer d'arriver à la réussite de tous. Et il y avait un volet qualité de formation des personnels, j'y reviens dans un instant.